Quattro. 100 ans, se faire entendre. J'espère que ces ateliers de création sonore et photo permettront d'élaborer un podcast qui aura beaucoup d'auditeurs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission consacrée au projet S'entendre, se faire entendre. Et vous avez la rue de la Réunion ? Parc, Porte de Montreuil, haut. On vient donc d'écouter un petit extrait des captations sonores réalisées à l'occasion de la première balade qu'on a fait dans le 20e. On avait fait en amont tout un travail de préparation, de sélection des lieux en amont de ces balades proprement dites. Il y avait une réflexion aussi dans la recherche de lieux ressources. Est-ce que Claire, tu peux nous en dire un petit peu plus ? Mais où j'habite ? Cette question un peu gaguesque, comme une proposition d'identifier les ressources de notre lieu de vie. Où et comment on habite serait-il en lien avec comment on s'habite ? Quels sont nos endroits fétiches, nos endroits repères ? Les explorer en son et en images, créer une carte postale sonore et visuelle, prise de son, témoignages, interviews, photos et d'autres extensions possibles en musique, en écriture et que sais-je, selon ce qui nous arrive. On se rencontre, on les visite ces lieux, on se les fait découvrir, nous pérégrinons, comme tu disais Louise. Et ils disent quelque chose de notre identité de citoyenne, citoyen habitant du 20e. Ils font partie de notre entourage, comme un ciment de notre géographie affective.